Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Suite à passage et tempête Loa, nous gagnons presque 37 circuits qui ont endommagé. Et pour qu'on y a là, nous avons des techniciens qui travaillent d'arrache-pied. Nous avons presque à 70% de circuits qui ont déjà enlevé. Nous avons augmenté la population pour prendre anti-patience par des techniciens, surtout employés du département des lignes qui travaillent dans les becs de zone pour mettre tout ce qui est en l'air. Et nous avons demandé à la population pour prendre anti-patience pour nous capables, pendant ce temps, de travailler pour nous capables rétablir, pour nous capables de faire nos bons services. Okay. Comme nous-mêmes, mission nous, comme techniciens et employés et dirigeants, mission nous, c'est défendre l'entreprise, défendre l'ouvrier. Chaque fois, intérêt population, intérêt entreprise menacée, nous sommes toujours là pour nous informer la population. Parce que nous sommes compagnies à caractère technique et commercial. Nous avons une redevance envers clients, nous avons une redevance tout envers la population pour nous bailler service. Donc, nous demandons pour nous garder calme pendant notre travail pour nous capables de rétablir pour nous jeunes plus bons services. Nous avons 37 circuits tombés, pour qu'on y a là, nous avons presque 70% de circuits qui sont déjà en l'air pour nous capables de servir la population. Nous sommes tous tout à l'heure, nous sommes des techniciens, c'est travail, nous avons travail. Toutes les fois que yon moun vini pour travail pour bien-être entreprise, nous prêts pour nous collaborer. Donc, malgré tout, vous connaissez ce qui est passé tout auparavant, nous sommes toujours dit au niveau EDH Libération, nous sommes toujours dit que nous avons préférence pour un monde, c'est EDH avant toute bagaille. Je dis à là, nous sommes capables de remarquer qu'il y a des problèmes qui commencent à résoudre. Et que c'est ça que nous te souhaitons tout. Donc, toutes les fois que le nouveau directeur général a été dans la même lignée, nous sommes là. Parce que nous n'avons pas pied de table. Aucun directeur, ni ministre, ni aucun monde, nous là pour défendre l'entreprise, défendre l'intérêt ouvrier et défendre l'intérêt pays. Parce que pas bien, nous disons que aider à ce qu'on parle à caractère technique et commercial, nous là pour nous desservir la population qui a un service public que nous devons nous payer. Et dans le cadre politique publique, j'en ai toujours dit que le gouvernement gagne, lui dit que l'affaire redressement au niveau compagnon, nous pouvons pour nous collaborer, pour nous bailler service, mais ces populations, avant tout, EDH comme institution étatique doit exister. C'est ça qui fait nous dire nous avons un problème pour nous collaborer avec qui que ce soit, monde qui est là pour nous faire bien-être compagnon et dans l'intérêt population et pays à tout en général. Le porte-parole a dit que c'est guerre. 37 civils qui tombaient, il y a 70% qui commençaient en l'air. Il me dit comme ça que avec tempête là, il y a un pile de branches bois qui tombaient sur le circuit ça. Ceci dit, chaque l'air ici est fermé, il y a un circuit tout qui est tout fermé. Automatiquement, branche bois ça frappé avec le circuit. Après, le circuit tombé en panne. Là, nous dit tombé en panne, non, il est ouvert. Qui vient faire population par faire un service. Si qui vient hors tension pour nous là. Sous ta forme vivant dans l'EDH, on peut tout employer au pas, camarade sous panneau, et tout technicien, surtout dans le département des lignes avec cyclone qui se passe là. Tout monsieur Sayo, il est au pas, il travaille d'arrache-pied pour que l'EDH encore existe. Pour que EDH continue by population en service, parce que priorité nous, c'est by population haïtienne en service, parce que c'est ça qu'il y a besoin de nous. Donc, oui, pour question que tu poses, nous avons toujours fait un modèle sur nous pour nettoyer les branches bois qui sont sous fil, et pour que les gagnants et problèmes ça pour ne pas donc ouvrir et sécuriser. Donc ça qui arrive que gagnants et sécuriser et modèle mais gagnants pour arriver. Donc il y a continué faire travailler ça pour que les problèmes ça ne pas répéter encore. Mais faut que nous gagnions un réseau qui est vraiment vieilli, qui est ancien, donc qui a besoin vraiment de bon et nous a dit rénovation, merci, et pour que les réseaux soient capables de mettre pour le Kimbé pour protection en mesure pour le Kimbé, les gens ont des catastrophes sérieuses pour que nous gagnions tous ces pays qui tombent. We'll be right back.
Là, il répond à une promesse de campagne que le président Jovenel Moïse a fait, côté que tout au cours de sa campagne électorale, il te promet que la construit des logements sociaux pour des catégories qui sont beaucoup plus faibles. Par exemple, pour des professeurs d'école, des policiers et des infirmières. Alors, en 2018, il y a arrêté que le plan. Il déclarait zone ça d'utilité publique. Et malheureusement, il y a des individus qui envahissent l'espace là, en fait, manu militari et qui fait de construction anarchique. Donc nous transportons sur les lieux. Il y a le directeur général de la PNH, gagne, en fait, parce que tout au commandement PNH là, moi gagne directeur général EPPLS, moi gagne secrétaire d'État, et moi-même comme commissaire gouvernement, accompagné de juges de paix, nous venons sur les lieux, nous constater l'ensemble des constructions anarchiques qui érigées sous propriété, et gagne de monde que nous tendons, et nous tout profiter du monde que toute construction qui est faite après appointage des GIA, donc l'État a pris une décision pour craser rapidement. Et nous rappeler tout le monde tout que y a un avertissement de 48 heures pour vider les lieux. Non, pour le moment, côté nous est là, on regarder c'est des débits de construction. Il dit qu'il y a plus de fondations, c'est pour un espace qui est vraiment habité, qui est occupé. Peut-être de l'autre côté, que nous allons traverser là avec juge de paix, et le nous arriver, moi de plus. Mais pour le moment, côté nous est là, à peine gain deux ou trois maisonnettes. Mais après ça, c'est de sol, de début de construction gain. Donc le ça, on a agi beaucoup plus facilement. Nous connaissons qu'il y a pile problème pendant le mandat président Jovenel là. Nous connaissons qu'on fait nous même pays loc. Et puis après ça, nous avons corona. Et ça fait vraiment travail sur le démarrer. Nous songeons depuis. Et 6-7 2018, ça qui est passé, depuis la crise de pays à pays log, et tout travail qui était de fait, ça s'est bloqué, nous n'avons pas qu'à déplacer, et tout groupe développement nous avons démarré le travail ça, et bien pas qu'à démarrer, parce que avec le phénomène pays log là, et puis nous venons tomber dans la pandémie. Mais sinon, le travail ça s'est fini, c'est clair, nous allons le remettre déjà à bénéficiaires qui sont policiers, infirmières, enseignants. Lorsque ce phénomène ça a commencé depuis en mois de juillet 2018, qu'on y a là, ou en 2020 là, ça fait plus que 2 ans. Après le pays, le gouvernement a une pandémie corona. Généralement, on comprend ça. La construction, ça a construit, ça a dirigé en 10 mois à 12 mois. C'est pas de phénomène ça comme moi, c'est clair à remettre. Mais malgré, président, vraiment, nous avons environ moins que 2 ans pour le mandat fini, pour le 7 février 2022, mais nous avons fini à travailler ça. Tout terrain côté nous est là, nous avons 600 appartements, c'est-à-dire nous avons 600 familles. Et de l'autre côté, nous avons 1600 de l'autre côté. C'est un programme lié, même lorsqu'après le mandat président Jovenel, ce programme a toujours continué. Mais si pas de problème, avant le mandat, au moins, il faut construire à peu près 50 000 à travers le pays. Et pas seulement dans le département de l'Ouest, c'est à travers 10 départements géographiques du pays. Le programme là, c'est logement abordable pour les fonctionnaires publics. D'abord, on a commencé avec policiers, infirmières, enseignants. Nous avons 3 catégories professionnelles ça, qui n'ont pas un gros salaire, qui n'ont pas un gros argent, mais qui travaillent très dur. Et le président a fait promesse ça. Quand on promesse de campagne, il a dit pour les catégories, depuis le président, il faut permettre un logement décent pour le prochain, nous allons démarrer d'emblée avec la construction de terrain signé à ça qui est à proximité par les municipales d'Elma.
Par rapport avec route là, nous n'avons pas de problème. Et que nous demandons pour l'État venir voir les gens sur nous, pour garder ça le café pour nous, parce que nous avons une situation qui est critique là. Comme nous n'avons pas de ministre qui est toujours monté et descendre là, surtout le ministre qui est responsable pour faire ça, d'acheter le passe. Ministère à vous public là, nous pensons que ça c'est à faire parler. Là, il y a des possibilités pour le passer, pour venir faire coup d'œil pour nous, après ça pour le sale café pour nous. Dans 2-3 mois encore là, nous n'avons pas d'espace pour nous passer même. En plus, nous avons des gens qui ont un problème là, pour nous courir descendre avec lui là, c'est une difficulté. Si il y a une autre machine qui passe là, côté là, nous ne pouvons pas arrêter, nous avons glissé quand même. Souvent, nous parlons de ça sur la radio, mais pas grand sérieux qui dit. Pour intervention en fait rapide parce que nous avons une situation là qui pas bon. Si toutefois deux monde malades dans l'air là, c'est l'hôpital là mené. Est-ce que nous cap nous courir monter descendre là avec machine pour n'ap caser si machine a tombé là n'ap gen moun ki mouri oui. Est-ce que nous obligé gen ça à Kafoufey et pendant l'aura passé là monsieur Mbaba nous menti en pile problème et en là côté que nous situé nous là nous na habitation Alfred. Et dans la ravine Alfred et en aval qui gagne ravine Maltec et qui gagne 31 tours parce que ouest là c'est son Y gouillé là et qui gagne 31 et ravine Maltec sous tête lui et ça c'est pour amont en aval que ou gagne ravine Alfred qui descend droite et qui joint avec un ravine Sico qui bail en pile problème et les deux ravines ça ont rencontré ensemble quelque soit ça ont rencontré sur route yo porter là et là monter là dans Sico. Et les nappes descendent, monsieur, nous allons faire un coup d'œil pour nous. Et nous avons vu que nous avons parti là-dedans qui plonge. Et presque pas de route encore, nous avons passé dans Sico pour monter. Oui, presque pas de route machine. Et là tout, sous Alfred là tout. Et Ravine lui-même a commencé vraiment à dégrader. Et il y a un croix aux Américains qui était dans un coup de main ensemble avec lui, en mettant quelques gabions en aval. Et pas faire rien en amont. Et c'est ça qui a sauté en amont et là qui a bon nos problèmes. Donc, population li même ni prend plaisir pour que yo construit nan en amont ou bien de kapdi nan tête ravine yo et gen ravine Maltec la li même jou ravine ça fait ça qu'il dit l'ab descend et bien laisse ça j'ai l'impression que quel qui soit cob que ministère de l'environnement mélange avec tout ministère de l'agriculture ta gagné nous pas capable financer moun qui construit nan tête ravine Maltec là. Nous font appel à l'état haïtien, nous mande l'état souple. Font coup d'œil sur ravine pour nous pour que yo traité Beige Ravine Alfred là qui gon Y là-dedans qui gon ravine en 31 là-dedans et ravine Maltec là-dedans li y compris Sico disons ravine sévère. OK, donc Jean Magalay là il représente un danger pour nous dans communauté là. OK, et ravine Maltec là lui-même qui débouche sur Alfred là son ravine qui traité depuis en 2006-2007 avec USAID avec projet Kata. OK, je dis qui pas qui c'est Global Community. OK, qui passe à chef encore. OK, donc je dis en ravine a commencé à dégrader et pas de question de mi-sec dans le monde encore. L'État n'a pas fait rien comme supervision. Et moun yo yo prend tout ça qui gagne. Et nous-mêmes, comme citoyens du quartier, ou bien de kabab di comme leader communautaire, nous pas qu'à dire moun yo non parce que nous pas l'État. Nous besoin de l'État. Nous besoin de l'État qui pour ensemble avec nous pour dire moun yo non. Yo pas qu'il nous arrache wosh yo en amont. Et là, point autour, nous-mêmes, nous pas connaître tout ça. C'est wol l'État. Avec un ministère de l'environnement pour mobiliser agent Lio pour que yo pas craser en misèque en l'air. Donc je dis là ravine représente un danger pour nous et nous mandé l'état souple même lorsque pas qu'à traiter là avec un gabion mais au moins yo mettre bon nous faciliter pour que nous pour que nous mettez des misèques avec un terre dans sac. On façon pour qu'on ne fasse ça qui est les mitigations pour que en pita pata pitris pour communauté. Son catastrophe problème les gens qui construit c'est des monde qui a risque. Même le monde a risque c'est des gouttes sable, gouttes fouillées sable
qui vraiment les yo comblé ravine dans mettre c'est du lancico pas gain route et puis remblé aller la puis tomber gon paquet remblé descend qui allant en comblé caï moun yo et n'a demandé ministère de l'environnement avec moun k'ap construit dans zone nous pas kon contre sorti qui monter en tête maintenant yo dit y a tenn nous avec zam y a tenn nous avec manchette nous même nous la avec deux men balancé qui a faut travail qui un homme l'environnement et dit y a tenn nous n'importe gens revenir pas n'importe moyen nous même on seul bâtir là mais nous seulement ça se met avec un vieux minute qui l'emmène nous est-ce que on est avec zam avec manchette là mais est-ce que nous calons goumavel pour dire ça l'a fait à pas bon nous nous avec bouche nous non y a pas contre avec nous menacer nous ça veut dire y a dit pas l'état pour nous l'état est même qui l'état pas l'état pour nous ça veut dire et ça fait demander et ministère de l'environnement et spécialement pour camper ensemble avec nous pour bail agent et munitions pour faire travail là ça veut dire nous même l'environnement ça c'est de gazou mon a fait film crasé pas un monde d'hôpital encore maintenant dans zone côté nous là non qui non habitation sévère mais ça c'est doux son l'eau campé en bas regarder après son paquet goutte qui gagne tout ça carrière les lapis tombé tout en période cyclone comme ça les lapis tombé maintenant qu'on casser des gringoles descendre ravine là et avec mon cap couper wash cap fouiller sable qui vient combler ravine là qu'on a qui vient rendre mon sico à victime n'a demandé tout police dans sico yo même avec agent environnement même si c'est pas même travail son seul travail là n'a demandé support nous même pour capable secouer nous même pour capable bloquer j'ai déjà passé au cap fait dans tête toi parce que les lapis tombé et puis si tu cap victime c'est madame cap victime c'est famille cap victime et pas seulement cap victime dans environnement nous voulons travailler mais nous pas de possibilité matérielle pour nous faire travailler raison nous pas cap faire travail avec deux mains deux pieds ouais plus fort bois ouais cap fait dans monde cap fait caille barre dans monde c'est dans même environnement recouper l'homme monter n'a dit pour occuper m'a tenir barrage n'a fait ça n'a recouper tête nous à manchette ça veut dire nous avec deux mains deux pieds et nous gain inspecteur Etienne Eval qui est en tête nous et n'a demandé inspecteur lui-même pour prendre ça à la charge pour joindre avec DG Gentel qui est responsable nous avec ministre environnement pour nous prendre une bonne décision pour mettre agent environnement au camper sous deux pieds nous même pour faire travail là ou bien nous après les secours est-ce qu'il y a quitté mon hôpital fin de gingolé pour aller en bas parce que là il a tombé et tout route en bas, c'est un gadou, c'est remblé à descendre, l'aile descendre, c'est problème dans la ville là. Nous sommes tous passagers, mais pensez avec tête non, pensez avec petite non. Pensez ça nous est là jeudi, espace ça qui ça nous va le faire avec. Comment nous va le faire avec? Non pas trop précis, parce que sous trop précis, on va tomber ne on va craser. Alors final doucement, pour nous chiter ensemble, pour nous dire non gon bagaille non mais non qui pas non. Parce que l'État va guetter et personne va guetter. Terre et Haïti. Mais il y a des dirigeants pour diriger, dirigeants qui dirigent eux.
monsieur pour ba non ti morceau et mais yo ba non ti morceau ko li ala nan zone ça mais ba zone ça seulement tout gagne de parler n'a me dire merci est-ce que là moi même ta souhaiter prochainement l'autre année qu'elle est venue parce qu'elle est venue l'année dernière ba doit ça ko li a venir là même petit lunette moi. Eh bien, messieurs, dames, aïe bobo, moi merci, non, vous êtes réellement belle, non, très charmante, et puis m'apprécier ça que fait. On a souhaité l'année dernière, l'année prochaine, que pour gagner encore beaucoup plus de monde. Que Dieu fasse sa miséricorde, parce que moi-même, je me levais nos familles catholiques, je me battais contre ça, les misères, je me mangeais trois fois par jour. Mais nous-mêmes, peut-être nous allons gourmer pour nous-mêmes chercher à manger une fois par semaine. Mais songez bien maintenant, tête non. Sinon, quand manger une fois par semaine, mais faire notre travail pour petit non, plus qu'à manger trois fois par jour. Il y a deux groupes qui étaient en face dans la bataille pour nous joindre ça. Pour penser le monde qui devait se pouler pour lui. Nous-mêmes, nous devions, c'était pour communauté à lui. Parce que là, nous dit. Vodou c'est affaire communautaire. C'est nous tous liés. Il va pour un grand monde. Nous avons des gens qui sont lésés, des gens qui sont frustrés. Que je veux dialoguer même pas nous pour nous faire entendre. Pour nous dire, ah, n'est pas Sénégal, vous m'avez pas vu de prêter, c'est depuis que vous vendez, puis vous faites caille, c'est depuis que vous faites activité personnelle. Puisque c'est une activité pour la communauté, et de connaître nous tous. Qui t'a promis nous pas de bloguer derrière, nous allons mettre ensemble avec eux pour nous faire communauté ça, une communauté de référence, une communauté côté tout le monde connaît. Et puis, 21 août, eh bien, nous avons nettoyé, nous avons saclé, nous avons fait tout parce que des étrangers qui ont sorti Miami, des qui ont sorti Boston, des qui ont sorti Port-au-Prince, des qui ont sorti au Cap, qui ont fait fêter avec nous dans la communauté. Pour ne pas sortir des pérez. Après, faire comme si. Allez. Dis bon, ok, m'te non bataille. Bon conscient. Nous perdi, mais pendant que perdi, on va même pas le gagner l'autre bon. Parce que bataille qui a pas mené là, toute la communauté va le valoriser. Bataille qui a pas mené, c'est le moyen pour nous combattre misère. Ou même misère de là, et par l'autre bagaille qui mette dans la donne. Cette division là. Ces batailles, ces déchirements, yon a déchiré l'autre, yon a volé monter sur l'autre. Faut nous résoudre le problème de division dans le temps vos doigts. L'église catholique, tenyo. L'église protestante, faut façon, yon tenyo sur la gueule. Nous-mêmes, faut nous entendre nous. Faut nous entendre nous, faut qu'on unité. Et puis, si on fait nous, ils ont des problèmes, faut se dire, c'est tout secteur net qui a des problèmes. Et laissez-moi solution pour voter, faut que c'est tout qui peut voter. Eh bien, moi, je remercie. Notre travail d'arrache-pied, nous réfléchir avec Dantia parce qu'elle travaille en pile. Nous gagnons un film qui est pour venir dans la communauté, pour venir étudier plan côté cathédrale, la Vierge Noire a fait. Nous sommes dit un peu à ça, Dantia ça. Ce n'est pas la Vierge Noire de seulement Mion. Mais nous voulons premier cathédrale là. C'est la cathédrale, la Vierge Noire d'Haïti. Côté quel que soit le pays, côté Mounaye, vous connaissez l'année 22 août, c'est fête la Vierge Noire d'Haïti. Première zone de référence, c'est des âmes, parce que nous avons goumé, et nous parlons goumé, pour que 10 cathédrales vaudou, même si j'ai 10 cathédrales de l'Église catholique, qui partent là dans la bataille d'indépendance, et qui ont 10 côtés, 10 de top, et bien nous disons à nous là, nous avons goumé pour nous au caï, nous avons goumé et. N'a procédé pour que nous devons si Bois Caïman t'avait transformé en véritable cathédrale la Vierge Noire du Grand Nord, eh bien c'est tout un combat en façon pour que nous-mêmes qui là nous capables redynamiser, revaloriser ça nous y est en termes de valeur, ça nous y est en termes de force sous toute forme, parce que n'est-ce qu'ils comprennent que en dans vos doigts, de vous se vaudouisant, ou se n'est que sort, de vous se vaudouisant, ou pas faire la science, de vous se vaudouisant, c'est diabouillé, c'est bonjour qu'on lui met, c'est là pour qu'on fait. Nous voulons, à travers l'autre, ça, royaume vaudou, créer par nous, montrer nous côté pour nous faire, c'est pour nous faire, parce que à travers ce que ça, lorsque vous se vaudouisant,
Nous sommes avocats, mais nous sommes vaudouisants. Nous sommes médecins, nous sommes vaudouisants. Nous sommes professeurs, nous sommes vaudouisants. Et sous base ça, vaudou appelle des projets Wally. Il doit être député, il doit être sénateur, il doit participer même. Nous permettons que le pays a de bons présidents, de bons sénateurs, de bons magistrats, de bons casseurs, de bons ministres. Il faut que nous rentrions dans la vie du pays. Parce que si nous avons une bataille d'indépendance, nous devons jouer un rôle prépondérant. Nous avons une bataille pour l'économie sociale. Petit vaudouisant, pas de droit de la charité. Alors que c'est nous-mêmes qui avons prêt pour nous faire comme. Comment pour petit pas nous? Comment pour nous-mêmes nous faisons de charité? C'est parce que nous pas organisé nous. Et nous pensons que la route que nous prenons, son route pour nous. Restructurer force nous, l'âme nous, corps nous, esprit nous, pour nous capables de faire force ça que nous gagnons maintenant, pour nous une véritable richesse. Et côté gagner richesse, pas qu'à gagner sous développement, pas qu'à gagner problème, et bien c'est dans le combat ça que moi-même j'ai décidé d'accompagner Royaume Vaudou avec Dantia pour que définitivement ça reprend vos droits pour être capable de vos droits autrement que d'une autre façon. Jeune garçon, jeune femme, dans des âmes, et me dit à Ibobotou pour l'autre groupe qui te dit que c'était pour eux. Et que effectivement c'est nous l'état de Bailly. Et nous-mêmes, c'est frère, nous c'est soeur nous. Il faut que nous travaillons collectivement avec eux dans notre souterrain. Une fois que vous voulez, une fois que vous d'accord, eh bien, descendez nous allons pour nous faire foc avec nous. L'école vaudou nous allons pour nous faire foc avec nous. Top vaudou que nous allons construire, foc avec nous. Jardin botanique, nous allons pour nous faire, souterrain, faut que nous avons. Tout travail que nous allons pour nous faire en d'enterrer ça, et bien l'autre groupe, monsieur Sayo, faut que nous accompagnions nous tous. Parce que ça nous allons faire, nous allons faire pour un groupe. Nous allons faire pour un amitage, nous allons faire pour tout le monde distinctement. L'habitation dans des membres dans la cour et dans la commune. Et m'a dit tout. Un gros tonton merci, un gros tonton Aïbobo, du fait que vous êtes d'accord, que effectivement c'est nous les tabaïtiers. N'a pas ton bravo pour vous. Mais nous-mêmes nous rendons tête aujourd'hui en des âmes, dans Mion, côté que vous nous déposez première pierre, pour nous comment nous capables de faire pour nous mettre un bagage sous pied, socialement, culturellement, spirituellement, mystiquement. Pour que vos douisants soient capables de côté pour nous reposer. Au niveau santé, au niveau éducation, au niveau médical, dans tout sens, à tous les niveaux. Et ma petite Antilides et ambassadeur Michel, j'aime trois coups de bâton. L'aime plus grand. Avec une petite lettre, mais l'aime plus grand, j'aime trois coups de bâton. Aïe Bobo. Ça veut dire que toutes mes sessions fait un travail national et international. Et même parce que nous tous qui là, et toute l'autorité royaume, toute notre ami Pelama, Penuel Bien-Aimé, qui toujours quitte la Cali, qui vient accompagner nous. Et Julien, nous tous pétons ensemble. Nous tous pensons que nous ne pouvons pas passer l'autre. Nous tous pensons que c'est même vos douisants fait avec soi. Eh bien, laissez-nous être capables de construire un bel pays. Et laissez-nous être capables de normal. Et laissez-nous être respecter nous. Et international là, à quoi nous valait nous en plus. Et m'a dit nous, côté lui là, notre année là, mais pour construction a commencé fait, bah, on est six étapes là qui ont commencé. Bah, on est si c'est centre de santé qui a commencé, bah, on est si l'école vaudou qui a commencé, bah, on est si c'est jardin botanique là, peut-être qui a commencé, bah, c'est pas toute plate qui a planté là-dedans. Mais à bon bagage quand même pas commencer. Mais pour commencer, il faut nous mettre tête ensemble. Tous mes siens qui sont dans la zone département de la Tibonita, je dis à Ibobo, la paix pour nous, on met tête ensemble pour nous faire bagage sérieux dans le pays. Pour que nous ayons un bon genre de sécurité, bon genre de stabilité, bon genre de construction, bon genre de développement, bon genre de tête ensemble. No!
voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.